Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio TJP, une chaîne sur laquelle je n'ai pas donné de news depuis février. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Aujourd'hui, 20 secondes par image et 20 secondes par news. On commence par la succession de Monceau, un projet que j'ai laissé un petit peu de côté. Il m'a fallu du temps, j'ai pas eu exactement le temps que je voulais cette année pour bosser dessus. Mais ça y est, je reviens, je suis en train de travailler sur l'épisode 2. Il avance même très bien, les trois quarts sont faits et j'espère le publier ce mois d'octobre. J'espère que ça vous plaira toujours autant, sachant qu'on reste dans l'introduction. C'est sorti aujourd'hui, Seasons, un groupe de métal qui fait de la fiction audio et que j'aime beaucoup beaucoup, m'avait invité pour tenir un rôle principal dans une de leurs séries en 8 épisodes. Elle s'appelle Afterlife Inc. et je vous laisse la découvrir en description en allant sur leur chaîne, abonnez-vous, ils sont vraiment géniaux, je les adore. J'ai composé pour le nouveau projet communautaire du Netophonics de Noël, le calendrier de l'Avent du Netophonics. J'ai composé pas mal de morceaux cette année et puis j'ai même participé un peu au scénario, c'était assez génial. Avec Johnny, Ran et Mimir Yudo, que je remercie. Voilà, à partir du 1er décembre sur le Netophonics, vous retrouverez tous les épisodes. Je travaille en ce moment aussi sur une mini-fiction. Peut-être que vous vous rappelez, j'avais fait quelques bêtises ici qui s'appelait Tambouille sur le vaisseau phare. Voilà, j'ai repris les personnages, mais pour en faire quelque chose de plus sérieux, enfin en tout cas de plus propre et de plus correct, qui va se rapprocher d'une saga MP3 en petits épisodes, voilà, qui m'amuse beaucoup, les personnages m'amusent beaucoup. Les Pourfendeurs, saison 2, eh bien, je suis au regret de vous annoncer que avec Val, on ne bosse pas vraiment dessus en ce moment. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné le projet, pas du tout. On a besoin d'un petit temps, je pense, entre les deux saisons pour se ressourcer, pour faire quelque chose de bien. Et je vous promets que ce sera très, très, très bien. Je vous le promets. En parlant de nouvelle saison, eh bien, on reste sur la saison 3 avec Mimir Yudo en ce moment de Et la Terre éclata. J'ai monté déjà 2 des 6 épisodes qui vont constituer cette fin de saison 3. Et normalement, si tout va bien, on vous prévoit un petit épisode pour le jour de Noël. Et ouais, ça sera un Christmas spécial. Si vous avez suivi un peu la chaîne, vous avez vu qu'en ce moment, je travaille aussi sur un making-of d'une fiction de A à Z qui s'appelle Fantôme. Et je vais bientôt enregistrer ma voix et je voudrais faire ça en la filmant, enfin en filmant la séance d'enregistrement. Et tout ça sera posté bien évidemment sur cette chaîne. J'espère que ça vous intéressera, au moins que ça vous montrera un petit peu comment on travaille en studio. Voilà, c'est terminé pour les news du studio TJP. Je vous donne rendez-vous dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, en vous disant que je continuerai d'avancer sur mes projets. Non, promis, je vous donne rendez-vous très bientôt avec du lourd, du très lourd. Très lourd.